Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice. Donc voilà, donc petit à petit, on va commencer à se concentrer sur certains points. Donc voilà, comme j'ai dit hein, lors de la vidéo sur Poséidon, voilà. Ce que je vais faire en attendant, j'ai commencé à introduire quelques personnages. Là, je vais commencer avec trois personnages pour débuter. Je ne sais pas si c'est. Bon, j'en ai fait trois pour l'instant. Savoir si c'est pas très long ou quoi. Voilà, il y en a déjà pas mal hein, de personnages dans le jeu. Et on va commencer petit à petit sur les personnages. Donc, je ne sais pas si. Je pense pas. Hein. Donc en ce moment, il y a ce nouveau personnage qui est sorti. Mais il y a un événement en plus avec le personnage. Donc c'est Ayo de Skila, de l'arc Poséidon. En faisant le quotidien, le boss, pour récupérer des pièces et en échange, pour avoir des récompenses, des pierres des puzzle gold, des coffres. Voilà. Il faut juste farmer le quotidien. Tous les jours faire le boss, tous les jours, et voilà. Et alors, il y avait rien de plus, quoi. Peut-être en PvP, peut-être un petit peu. Ça faudra voir. Et c'est sûr, le quotidien, il y a le boss. Le PvP, il faut voir. Peut-être qu'il y a du PvP. Ça dure 7 jours, hein. Le truc a déjà commencé, ça dure que 7 jours. Bon, c'est un bonus, hein. Voilà. Encore une fois, c'est un bonus, c'est comme, avec le saga, un truc avec saga, bah c'est pareil, hein, c'est un bonus. Hein. C'est pas mal. On va commencer par les chevaliers d'argent. Donc on va commencer par Capella de Lorus. Forcément, j'ai essayé de prendre les prénoms en français. Forcément, les prénoms en japonais, pardon, je pense pas avoir le code par cœur. Donc j'ai pris les prénoms en français. Donc on va commencer par les types terre. Je suppose que l'élément étoile c'est plutôt spécial. On va dire que c'est spécial. Ouais, c'est pas sûr à 100%. Va commencer par lui. Donc si vous voulez voir les détails plus près, je vous conseille de suivre le Discord, hein, forcément. Je vous mettrai le lien dans la description. Suivez le Discord. Bon, forcément pour ces infos, mais pas que ça. Hein. Pour les autres infos, s'il y a d'autres infos, etc. Il faut penser que je vous mets des exemples sur le Discord ou la page Facebook. Enfin, le groupe Facebook de Saint Seiya Shining Soldiers. Généralement, je vous mets des infos sur la page, sur le groupe Facebook et sur le Discord. Si des fois je fais pas de vidéo, vous voulez. De toute façon, je veux discuter quoi. Sur les réseaux sociaux. Si, voilà. Je pense qu'il y a un concours, il me semble. Il y a un espèce de concours. En fait, vous prenez votre profil, vous copiez-collez, vous mettez aimer, partager. Vous aurez des récompenses. Voilà, c'est un peu bon. Donc, on va commencer. Donc, sur les personnages, il y a deux attaques. Donc, sur les personnages, il y a quatre éléments. Mais il y en a deux qui sont des attaques. Et là, deux autres, c'est, on va dire, des compétences, des bonus. Voilà, c'est, voilà. Attention, c'est des traductions, c'est en version chinoise. Au cas où j'hésitais, hein, forcément, à faire cette vidéo. Parce que c'est des traductions de Google. Et je pense que, voilà. Je pense pas que Google a ultra bien traduit. Je pense qu'il y a des mots qui n'ont pas été traduits. Donc, ça sera plus ou moins. Les traductions. Donc, il est fort possible que si un jour il doit avoir une globale, c'est pas impossible que je pourrais changer. Voilà. De toute façon, je pense hein, que la globale, si il devait en avoir un 100%, je pense qu'il devrait attendre un an. Voilà. Vu que récemment, des jeux chinois arrivent en global, mais vu que ça prenne plus d'un an pour que ça arrive, il y a moins que ce jeu. S'il devait avoir une globale,
C'est pas sûr à 100%, hein. Faut être comme. Si de voir une globale, c'est pas voir un nom. Voilà, donc les traductions seront plus ou moins. Hein, voilà. Donc je traduis pas le chinois, voilà, ce sera plus ou moins. C'est Google Traduction, hein. Je pense que vous connaissez, hein. Donc ça, c'est. Le truc jaune, c'est quand la barre de jaune se charge. Voilà, ça, c'est l'aspect. Donc lancer un frisbee sur une cible aléatoire et éjecter-le 6 fois. Chaque éjection cause 140% de dégâts offensifs. Lui, je l'ai, hein. Et des personnages que j'ai trollé, que j'ai, d'autres que j'ai pas, mais bon. Donc voilà. Pour chaque éjection de 50% de chance de faire saigner la cible pendant 3 secondes et subit 40% de dégâts par seconde. Le soin, 50% de réduction d'effet. Donc, même si la serre se soigne, mais pas trop beaucoup se soigner. Level 2, donc le level 2, c'est lorsque vous EP par rang les personnages. À un moment donné, vous êtes par exemple limité à un niveau, vous devez le sous-éveiller pour que il gagne des niveaux. Mais c'est en les sous-éveillant qu'il gagne des levels, que les speed gagnent des levels. Il y en a qui vont jusqu'à level 3, level 4, mais il faut juste monter. C'est par palier, enfin, par palier de niveau, ben les speed augmentent d'un niveau. C'est. Je sais pas comment expliquer, pour être précis. Voilà. Par palier, mais vous montez l'aspect, quoi. Ça va bon. Level 2, la probabilité de saignement est augmentée de 60% et le temps de prolonger de 4 secondes. Level 3, les dégâts seront augmentés de 160% d'attaque. Le nombre de rebonds est augmenté de 1 fois. Voilà, franchement, enfin, si c'est voilà, un personnage peut-être, on va dire ODF, ça passe. Hein. Et là, donc ça, c'est une attaque automatique. Donc, c'est une attaque qui se fait toute seule. Voilà, c'est. Voilà, ça, c'est l'attaque qui se fait toute seule. Lancer 3 frisbees, il affiche 150% de dégâts d'attaque à 3 persos aléatoires. Il y a 60% de chance qu'un perso attaquer saigne pendant 3 secondes et reçoit 40% de dégâts par seconde et effet de guérison réduit de 40%. Level 2, saignement, la chance est augmentée de 80%. Level 3, saignement ont été augmentés de 50% d'attaque. Et level 4, augmenté à 480% d'attaque. Franchement, le perso, il a l'air pas trop mauvais, hein. Il a l'air pas trop dégueu. Et ça, donc ça, c'est des bonus. Hein, voilà. On va dire des bonus, des compétences. Voilà. Ça en plus, quoi. L'attaque de base de Camilla. Ah mince. Bon, ça, c'est la traduction de la chinoise. Apparemment, en Chine, ça s'appelle Camilla. Mais chez nous, c'est. c'est Origa. Donc, quoi. L'attaque de base de Gabila peut être éjectée une fois et les dégâts seront réduits de 60%. Level 2, l'attaque de base de Gabila peut être éjectée deux fois. Je vais mal le traduire, mais bon. Les dégâts projectiles seront réduits de 40%. Franchement, pour un perso de base, c'est pas trop mauvais, hein. Il est bien sûr. Ça encore. Une autre compétence. Après chaque sortie de compétence, Gabila gagne un bouclier d'attaque de 120% pendant 8 secondes. Level 2 à l'état protégé, la vitesse de l'attaque de Gabila est augmentée de 25%. Dans l'état de le bouclier, l'attaque de Gabila ignore les 25% de défense de la cible. Franchement, voilà. Bon. J'ai l'impression que c'est un personnage lambda. Finalement, il a l'air quand même assez correct. Hein. Et là, c'est les stats. J'aurais dû le mettre avant, mais un petit peu avant, mais bon, voilà.
Donc des stades. Donc là, c'est ça dans le jeu. Après, le reste, je sais pas comment ça se passe. Donc, mon HP, c'est 421 000, 129, 47 550 et 47 571 en attaque et défense 7 564. Je sais pas si c'est la défense est très bas ou pas. Puis en bonus de vitesse, c'est 100%. La plupart de tous que j'ai travaillé, c'est aussi 100%. Taux de critique, c'est 2,9%. Le taux de résilience, par contre là, je sais pas trop de quoi ça parle. Est-ce que c'est la résistance ou quoi? C'est 0,1%. Après, le reste, je sais pas comment ça se passe. Là, tout est zéro. Je sais pas si ça se passe pendant les combats. Voilà, c'est pas c'est. Là, en tout, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est pendant les combats ou quoi que ce soit. Le reste, donc il peut faire de gros dégâts et il peut réduire des dégâts. Là, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si peut-être que c'est lié aux armures, peut-être. Ça, faudra voir. Est-ce que ça, c'est peut-être lié peut-être aux armures? Parce que là, je vais le traduire, mais peut-être que c'est peut-être lié aux armures, peut-être. Mais je suis pas sûr. Pour ça c'est zéro, mais sans peut-être avec les armures, hein. Il y a moyen qu'avec les armures, c'est. On verra bien. Franchement, voilà. Pour un petit perso, qui paraît lambda, hein, vraiment, évidemment, hein, très intéressant. Donc le troisième, c'est Astérion, des chastes de chiens. C'est peu bon, lui je l'ai pas. Sur les trois, il n'y a que lui que j'ai. Donc, ça se. C'est stade. Ouais. On va faire d'abord le stade, puis on fera le reste. Hein. On a. Ah mince. 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 S'il faut, je remettrai les vrais stades. Ah mince. 2 minutes. Je vais voir directement dans le jeu. Là, je sais pas si je l'ai encore gardé. Parce qu'au fur et à mesure, je les efface. Regardez dans le jeu directement. Donc, désolé. C'est faux, remettrai les stats après. Mais je sais pas faire attention. Donc, ouais, tac. Ici. Le stade. Donc, c'est 437 715 en HP. 44 318 en attaque. Et 8 944 en défense. Il y a un peu plus de défense que forcément que Riga. Voilà. C'est faux, je referai. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe au stade. C'est pas grave, donc le reste c'est 100%. Taux de critique c'est 2,4%. C'est moins élevé que l'autre. C'est pour résilience. Pas si c'est une question de défense ou quoi. Là pour conclure, je sais pas. Résilience. On dit rien. Et on va commencer par l'SP. Un terrain se déplace à deux fois la vitesse du son, divisant de millions de clones attaquant l'adversaire. 6 fois et infligeant 160% de dégâts d'attaque à une cible ennemie aléatoire à chaque fois. À chaque attaque, dissipera aléatoirement une couche de buff et de l'effet du corps de la cible. Level 2, chaque coup fait également taire la cible pendant 1 seconde et la durée de cet effet
peut être superposé. Le dégât d'un million d'attaques de morts-vivants est augmenté de 200%. Lui, je l'ai pas, donc pas trop savoir ce qu'il fait en vrai. Là, c'est l'aspect automatique. Adrien motive ses coéquipiers avec une forte puissance mentale et tout son côté gagne une amélioration spirituelle. Et le taux d'attaque et de critique augmente de 15% pendant 6 secondes. Level 2, le perso qui a obtenu une amélioration spirituelle restera également 125% de la vie d'attaque. Level 3, l'effet de guérison du renforcement mental est augmenté de 160% d'attaque. Et level 4, le taux d'attaque et de critique des persos avec une amélioration mentale a augmenté de 20%. Donc ça peut être un très bon support hein, pour ce personnage. La télépathie. Ouverture, la technique de la lecture mentale. Adrien peut interférer avec le cerveau de l'ennemi et voir à travers toutes les attaques de l'ennemi. Quand Adrian est sur le terrain, elle réduit toutes les attaques de la rangée arrière de l'ennemi et de 15%. L'effet dure jusqu'à ce que qu'Adrien soit vaincu. Level 2, la réduction d'attaque causée par la lecture du mental est augmentée de 20%. Level 3, la réduction d'attaque causée par la lecture du monde est augmentée de 25%. Ça n'a pas l'air d'être mauvais. Et bien sûr, celle-là. Potentiel d'excitation. La vitesse d'acquisition de son propre petit univers augmente de 20%. Adrien est immunisé contre les effets réduction des petits univers et l'effet de la réduction de la vitesse d'acquisition de petits univers. Level 3. Oh, mince. La vitesse d'acquisition de son propre petit univers augmente de 20%. Adrien est immunisé contre les effets réduction du petit univers et l'effet de la réduction de la vitesse d'acquisition de petit univers level 3. La vitesse d'acquisition de son propre petit univers est augmentée de 30%. Voilà. Encore une fois, Ils n'ont pas l'air d'être mauvais. Hein. Donc maintenant, on finit par Sirius, le chien géant. En français, hein, forcément. Chevalier d'argent, forcément. Une fois que maxé, c'est 380 165 en HP, 46 186 en attaque, 9 270 en défense. Parce que c'est une bonne défense. Je suppose, hein, ça m'a l'air assez bien élevé. 100% en vitesse, 2,2% pourcentage en critique, 0,8% en résilience. Après le reste, est-ce que c'est avec lié aux armures, etc. Ça faudra voir un peu plus tard. Donc, SPI, hein. Bon, ben, SPI, hein. Infliger 225% d'attaque et là, donc là c'est le nom de l'attaque hein. Je vais pas trop dire parce que sinon c'est chiant pendant 3 secondes au perso avec le pourcentage le plus élevé de la vie actuelle de l'ennemi. Plus si il a des univers cibles, plus le temps de l'aspect est long. Pour chaque un pourcentage supplémentaire de l'univers de temps de l'aspect sera prolongé de 1% pour mouvoir. Level 2, les dégâts sont augmentés de 255% et le temps de l'aspect est prolongé de 1% supplémentaire de petit univers et les dégâts sont augmentés de 285%. Le temps de l'aspect sera prolongé de 1,6% pour chaque 1% supplémentaire du petit
Petit univers. Je sais pas si là c'était ça a été trop mal traduit. C'est possible que là c'est un petit peu du fakir, du fou caché. Oh, c'est un petit peu les pinceaux. Là c'est l'aspect automatique. Car je joue au combo. Gagner un bouclier égal à 330% de l'attaque pendant 6 secondes. Avant que le bouclier soit brisé, gagner une augmentation de 20% de la puissance de défense promouvoir. L'effet bouclier est augmenté de 375%. Level 3, lorsque le bouclier est brisé, 3 ennemis devant sont éblouis pendant 2,5 secondes. Level 4, l'effet de bouclier est augmenté de 405%. Le temps de l'éblouissement est prolongé de 3,5 secondes après avoir été brisé. Donc, reste correct. Hein. Reste correct. C'est pas ça. Celle-là. Là, ça a été mal traduit. Je suppose que c'est pas en entier, mais bon. Ouverture au début de la porte de la bataille. Toutes les coéquipiers augmentent leur vitesse d'attaque de 25% pendant 8 secondes. Level 2, en même temps que tous les coéquipiers seront augmentés de 800 points. Petit univers. Level 3, tous les coéquipiers seront augmentés de 1000 points. Petit univers en même temps. Et ensuite, perception du chien géant. Lorsque un perso de notre côté reçoit un effet de contrôle, immédiatement l'effet est relâché. Relâchez-lui une charge. Et cet effet ne peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes. Il sera d'abord libéré lui-même. Cet effet peut être déclenché toutes les 11 secondes, une fois les 3, 10 secondes. Donc ça un petit peu un debuff. Hein. Si c'est un vos coéquipiers un malus, il peut le retirer. Si il en a un, lui le retirera. Mais ça fera. C'est tous les 12 secondes. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. Vraiment. Franchement, ça doit être les trois premiers personnages que j'ai traduits. M'a l'air loin d'être dégueulasse en fait. Vraiment. Quand je les ai lus, sérieux? Vraiment, ils font. Voilà. Pourtant, après, je sais pas s'ils sont assez récents. Donc, hein, bon, j'ai pris. Voilà. C'était quasiment les premiers. Après les chevaliers de bronze, mais voilà, j'étais prévu en premier sans savoir vraiment ce qu'ils faisaient. Voilà. Après, je sais pas s'ils sont beaucoup plus récents que certains chevaliers d'or, bon, les premiers sont c'était les chevaliers d'or hein, dans le jeu. Voilà, je les ai pris en premier, vraiment, ils ont l'air sympas. Vraiment, ils ont l'air très, très sympas. Voilà, après, voilà, après, c'est. Enfin, moi, j'ai que lui, vraiment. Il est souvent mis en avant, lui. Hein. Quand je joue en automatique, il est souvent mis en avant. Enfin, là, je sais plus s'il est mis en avant, mais ça que. En tout cas, au début, il est parti des personnages qui étaient automatiquement dans l'équipe. Quand je me donne dans le dos, il était souvent là. Le personnage là. Ah, maintenant, je pense. Hein. Ouais, est-ce que j'ai un doublon? Je sais que j'ai récupéré quelques doublons. Ceux-là, je les ai pas. Hein. Les deux suivants, je les ai pas. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était. Voilà. Voilà. Donc c'est le début, hein, vraiment. Voilà. J'ai fait les trois premiers. Les autres suivront. Après, on verra si j'en ferai un peu plus ou pas. Comme ça, j'essaie de pas non plus faire trop long. Je sais que je serais capable de faire pendant 1 heure des vidéos sur les personnages, mais bon, ça serait trop long. J'ai essayé d'éviter de faire trop long. Voilà. Je sais pas si cette vidéo vous plaira. Voilà. Donc voilà, c'est au cas où je fais cette vidéo. Si un jour vous devez avoir une globale, forcément, ça pourrait changer. Hein. Voilà. Après, je vous dis, si vous devez avoir une globale, c'est pas sûr, hein, mais ce ne sera pas avant un an.
Mais d'ici là, voilà. C'est d'attendre un an, mais. Au cas où, si nous avons juste par rapport aux traductions, voilà. C'est cool. Donc je mettrai. Je referai les stats de. Je mettrai les chiffres normaux de. D'Astérion. Je mettrai. Juste que j'ajoute les chiffres et tout. Comme ça, on sera mis. Donc voilà. Voilà, donc voilà. Si vous voulez voir plus en profondeur, venez dans le Discord. Voilà. Ouais. Je vous conseille de suivre, hein, sur le Discord, le groupe Facebook, cette chaîne Coders. Donc c'est là que je voulais quand même des infos par rapport au jeu. Et surtout par rapport aussi au code d'échange, etc. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez un peu plus lire les persos. Peut-être que regarde, c'est pas des traductions. J'ai vu qu'il y avait des traductions un petit peu bof, mais bon. Voilà, c'est cool quoi. Des fois, il faudrait relire ça un petit peu. Enfin, je suis pas trop attention hein, que c'est écrit. Et... Pour chaque fois, j'essaie de relire. Comme ça, il n'y aura pas d'accident. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu. Commentez, si, voilà, ce que vous en pensez. Attention, c'est en chinois, j'ai traduit via Google Traduction. Vous savez, Google Traduction, c'est plus ou moins, c'est pas une traduction juste. Hein, voilà, donc c'est pour ça, s'il y a la globale, forcément, je ferai peut-être des corrections par rapport au personnage, etc. Mais c'est là, hein, de toute façon, c'est pas sûr hein, qu'il y ait une globale hein, à l'heure actuelle, mais bon, c'est jamais. Voilà. C'est de rien global, forcément, peut-être que je ferai des ajustements comme ça, mais. Donc, s'il vous plaît, pouce bleu, commentez et abonnez-vous pour un petit des prochaines vidéos. Forcément, je suis en attente de Poséidon. Voilà, je suis en train de décoder. En plus, en ce moment, il donne pas mal de récompenses. Donc, je prends, on économise, j'économise pour Poséidon. Je parle de 20 000 cristaux. On va essayer d'aller au moins en haut à 7 000. Après, je sais pas quand il sort, hein, le Poséidon. De toute façon, c'est pas tout de suite, hein, mais au moins, j'économise quoi qu'il arrive. Je suis prêt de. On va essayer de garder. Donc, on va faire 10 multi, au moins ça. Après, je verrai. Vas-y, on garde. Si vous gardez, on garde les. Sauvegarde des pierres, on les garde, hein, mais. Bientôt à 20 000 pierres, plus de 20 000, et voilà. Comme ça, on gardait à peu près 10 multis, hein, au moins pour Poséidon, au moins c'est 10 multis à lui. Ouais, bien sûr, voilà. Voilà, je pense que ce sera bon, hein. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.